Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve pour un petit tirage, toujours avec le jeu Murmure de guérison. Un très beau jeu qui va nous accompagner justement tout au long de ces 2 semaines de vacances. Alors, on va tout de suite tirer une carte. Je vous remonte le dos, je ne peux pas m'en empêcher à chaque fois tellement je le trouve beau. Alors, on va tirer une carte. Alors, la carte numéro 2, compassion. Je suis désolée, on est un petit peu le soir, donc j'ai des lumières qui arrivent sur la carte. Voilà, que vous ayez au moins les détails de cette très belle carte. Cette très belle carte qui nous parle de compassion et voici son message. Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment, les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Ses racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? Voilà, c'est une carte, une très belle carte, cette carte de la compassion qui vous parle du pardon. Et le pardon, c'est quelque chose de très difficile, de très très difficile. Et pourtant, il ne faut pas oublier que le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi, pas à l'autre. Ça se joue pas pour l'autre, finalement, ça ne se joue que pour soi. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, un beau travail, beaucoup, beaucoup de compassion justement, d'amour dans votre cœur et de belles fêtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!